je vais dans le bureau régulièrement sans que pour autant yo pas font sécurité spéciale premier ministre. M'pa gen problème à ça, bien content ça, mais pour que ça différence ça. Est-ce que les bandits ne sont plus là ou du moins est-ce qu'il y a quelque part des structures et des mondes qui ont capacité compétences pour parler avec eux parce qu'ils sont toujours là monsieur le premier ministre. Mais les bandits ne sont pas éternels. Moi mon père me connaît. Me des ministres d'intérieur, me des discuter avec eux. Yo tout yo mouri jeune. Oui. Et l'idéal, c'est pas que nous, des citoyens qui ont mouru jeunes. C'est soit ils ont décidé de rentrer dans les rangs, soit ils n'ont pas là. Ils n'ont pas là comme menace pour la société. C'est-à-dire qu'ils sont en prison ou s'ils ont affronté les forces de l'ordre, qu'ils ont mouru. Je pense que nous avons volonté et nous avons détermination pour que le banditisme disparaisse. Et moi, je me dis, par hasard, il y a nous deux qui arrivent, relève dans le téléphone. Moi, je dis, moi, je ne peux pas parler à bandit. Si on apprend à entrer dans les autres, moi, je voulais parler avec nous. Mais si c'est bandit, je me demande, vous voulez négocier, poste dans l'État. Oui, oui, pas oui, oui. Ça du tout. Je n'ai aucune négociation de poste de l'État avec des bandits. L'État, c'est l'État, les bandits sont des bandits. C'est tout ça que je dis dans l'immédiat, mais il y a une détermination. Que pour l'élection, il y a une sécurité. Il y a une sécurité dans le pays. Et ça, c'est l'objectif premier que nous avons pour nous que nous arriver, pour nous gagner l'élection. Marco Pral, Pral vient rejoindre nous pour la deuxième partie émission ça, et pour le ministre. Et nous avons trois questions éclaires. Trois ou quatre questions éclaires avant de céder la place à Marco. Pour la question éclair, quelles sont vos relations avec Michel Martelly? Parce qu'on dit que c'est Michel Martelly qui avait facilité que ou même le premier ministre avec les discuter avec Jovenel et lui-même le dit président Jovenel, c'est docteur Ariel Henry que lui-même livré. Qui sont qu'a dit pays à ce question ça? Premier bail qui est monde qui relève premier monde qui a proposé président Jovenel, c'est des gens de l'opposition. Et quand même préciser, ce sont des anciens parlementaires de l'opposition durs du Nord. Ça, c'est pour moi, je me l'ai dit. Deuxième, je me l'ai dit, je suis ministre dans deux ministères sous présidence Joseph Michel Martelly. Intérieur et Affaires sociales. Moi, j'ai de bons rapports ni avec le président Joseph Martelly, ni avec madame. Ni. Quand j'ai un rapport avec un pile l'autre monde, bon, même pas un rapport vertical, c'est-à-dire que ni prendre l'ordre, ni discuter qui ça me fait avec lui. Et je pense que moi-même, son monde m'apprend à connaître, Je vais connaître en pile, je vais connaître madame un petit peu plus, mais je vais m'apprendre à connaître. Son monde qui gagne en pile respect pour le monde, en pile respect pour l'opinion du monde. Il n'a jamais demandé en rien de particulier, ni dans le gouvernement ça, ni l'homme des présidents, des ministres. L'LT besoin de bagaille dans le gouvernement, l'LT vient demander est-ce que nous sommes capables de faire ça? Est-ce qu'au quoi nous sommes capables de faire ça? Et des fois, je me dis répondre oui, et des fois, je me dis répondre non. Là, depuis que mon premier ministre, je me croisé avec lui dans funérailles, dans hommage que j'ai fait pour le président Jovenel Moïse, mais le Bajan Mrelim, ni pour dire employer un tel, ni pour dire prendre telle action pour lui. Et ce n'est pas le type de relation que je gagne avec non plus. Êtes-vous membre d'un parti politique? J'étais membre de l'Unité. Et partiellement membre créateur, membre fondateur de Unifos. Je campé dans le parti politique depuis 2016 ou 2017. Je campé parce que je pensais que le type de politique qui t'a mené un, pas mené pays à pièce côté. Et me dédié compagnon de lutte moi zami mio que faut nous changer j'en ai fait politique et donc me décamper donc actuellement pas membre aucun parti politique. Avez-vous des relations amicales privilégiées avec Paul Denis? Paul Denis sont amis, c'est un ami depuis des années et nous étions amis. Nous avons des divergences. Tout le monde entendait dans la radio, ça le décontise oui, moins, oui, à plusieurs oui. reprises. Mais là, malgré tout, nous étions amis. Nous avons gagné des divergences politiques, nous avons des divergences d'opinion. Paul Denis est un grand ami et il a prêté aux amis. Vous êtes
le premier personnage de la police nationale, c'est chef CSPNUE. Donc le ministère de la Justice, le commissaire du gouvernement, met un mandat d'amener d'ailleurs Paul Denis pour implication présumée dans la question assassinat de Jovenel Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Et lors vous comprenez ça, qui question posez tout? Non, moi même quand tout le monde matin levé, yo raconté moi c'est monde qui relim dans téléphone que gen des mandats d'amener. Pour être transparent, et m'a tout à fait transparent. Oui, bien sûr. Et m'a tout pendant tout le temps là, m'a transparent. La veille hier soir donc, m'ai une conversation avec ministre de la Justice hein, et l'idim enquête là pas avancé et que gain on sait des nombres de mesures que d'après le point. Par contre, rien dans l'enquête là. C'est vrai que par rapport à la position que j'ai observé dans l'État, un certain nombre de bails, il faut me connaître à l'avance. Bien sûr, oui. Parce que il y a des implications dans un certain nombre de décisions. Même pas qu'on n'a rien sous l'enquête là. Et ne pas entendre interférer dans l'enquête là. Ne pas rentrer dans l'enquête là, pour quelque soit que, raison que ce soit. Il y a des bails, je ne pas comprendre. Et il y a des bails, je ne pas comprendre, demander explication. Il y a des bails, je ne pas comprendre. Très bien. Et est-ce que ou déjà face à face ouais Badiou? Badiou son monde connaît. Moi c'est qui monde par contre Badiou. Dans le pays même bah ouais face à face Badiou bah. Mais là où Dieu c'est monsieur qui monte toute opération ça. Badiou pas qu'à monter opération ça. Il va capable. On va connaître s'il participer là-dedans non mais c'est pas calé. Ça c'est de façon claire. Claire. Moi non. Nous connaissons pas toute capacité ça. Non seulement pas une capacité, mais même économiquement, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il peut pas. Non. Enfin, moi, je ne vais pas interférer dans la police et la justice, non, mais sous mon minimum de jugeote. Avant, dernière question. Sacrifié, dans l'affaire Ania, le président prend une décision, il n'a pas avancé, et puis tout le monde, proche président, ouais, comme si, ou dit, ou pas sortir et on va connaître, on va prendre une décision, ou pas éliminer Annie et Negro pété coqué. C'est comme si nous avions dit quelque part, il y a un groupe qui poussait pour prendre une décision. Ça, c'est ça que fait, ou tu as un blocage là. Expliquez pays pour qui ça, ou tu voulais aller vers, nous avions dit, élimination Annie. Ok. Plusieurs bagages. Qui me commencer par mon introduction. Oui, pays a vécu une situation difficile, difficile émotionnellement. Nous, avec le pays en été fret, tout le monde frise les apprendre la mort du président Jovenel Moïse. Mm-hmm. Son bail inimaginable, inacceptable. Inacceptable. Et révoltant. Le concert dans l'atmosphère de la vie, là, nous avons un bon monde qui est plus blessé que d'autres. Et moi, c'est que le monde qui était autour du président Jovenel Moïse, pas que vous perdez plus, mais vous plus, ça va bah, faire plus mal. Il faut nous comprendre que le cas fait mal. Il faut nous attentif à leur douleur et moi-même très attentif à la douleur des gens. Anien, c'est une décision qui te prend et moi, c'est qu'ils sont décisions qui te prend ou vous pas de peser toutes conséquences de décision ça. Et qui, dans le décret ça, a violé en plusieurs endroits des droits fondamentaux de l'homme. Moi-même, pas associé à rien. Qui a violation des droits humains. Violation des droits humains. Rien. Aniens sont irritants liés pour la classe politique. Mounio croit que bon service d'intelligence qui a rentré dans la vie privée. Qui est capable de faire n'importe quel type d'exaction la caillou et son service d'intelligence qui n'a pas existé. Il n'a pas existé à rien. Il existe sur un papier. Et je dis même, président Jovenel Moïse, après que le film prend des créas, il a créé une commission pour révéler. Moi-même, dans retirer irritant, parce que moi-même, je dis tout, que je vais retirer tout irritant qui empêchait que la nation mette ensemble. Il faut les uns et les autres disposer, faire des sacrifices. Les uns et les autres. Les uns. Pas un seul côté. Les uns et les autres disposer, faire des sacrifices pour nous, ensemble.
Donc pour moi, Anien sont d'une part c'est une agence qui pas existé, qui mettait nous pratiquement au bon des nations, tout pays étranger, même garde ou même moyen, ils pensaient que nous font, nous prenons décision contre les droits humains. Gain des Haïtiens eux-mêmes qui se sentent menacés, donc moi-même pensais qu'il fallait enlever. Gain moun avec certaines sensibilités qui croient que c'est détricoté, c'est-à-dire que m'a retiré fil, m'a défilé, ça, président Jovenel Moïse. Il n'en est pas question, il n'en est pas question. Son nèg qui respecte moun et c'est pas problème supplémentaire vient maintenant pays. Mais ça problème on a retiré. Donc c'est moun sa yo, yo vive li mal. Même ba autant pour comprendre li. Et pour y ajuster. Yo. Très bien. Dernière question puisque Marco déjà là concrète au niveau parti politique yo pour ou pas venir organiser élection pour Michel Martelly et Martine Moïse. Qui sera dit moun sa yo, parti politique qui dit vu que j'ai situation y a là. Il y a PC, il a bien aimé collaborer avant, mais dans la perspective politique, il dit que le premier ministre Ariel, c'est sûr que pour soutenir soit Michel Martelly, soit la première dame, non, qui déclarait probablement le capable candidat à la présidence. Répondez aux questions, s'il vous plaît. Madame Martine Moïse a le droit de poser candidature à la présidence. Et je pense que c'est un bon bagage. S'il pensait qu'il voulait, il est capable de conduire l'État et que c'est lui qui a fait des changements, moi, je n'ai aucun problème dans ça. Le président Joseph Martelly doit décider que le candidat. Et ça, mon bon bagage, que le candidat. Ou même Gary Tour, ou il doit décider au candidat. Et ça, mon bon bagage, qu'au candidat. Que tout le monde fait campagne et que le peuple choisit mon livre. Ça me l'a dit. C'est que le gouvernement ça n'a pas le faire élection pour personne. Ni pour Pierre, ni pour Jacques. Ni pour Bernard Martin Moïse. Ni pour le président Joseph Michel Martelly. L'IPAP fait